73, bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve pour un unboxing. Alors vous avez vu la, bien sûr la vignette. Allez, c'est parti. Hop, je vous montre un petit peu le carton. Si éventuellement, voilà. Le manuel d'utilisation. Bon, et hop, on s'en fout. On a pareil, le voilà. Donc évidemment, voilà. Bon, l'écran n'est pas incurvé. C'est la copie du 1701. L'écran n'est pas incurvé. Hein. 1701. D'accord, l'écran est droit. Bon, autrement, c'est le même écran, évidemment. C'est le même appareil. Hein. Voilà. C'est le même appareil, les boutons sur les côtés, je vous les montre, hein, ça change légèrement, bien sûr, mais c'est vraiment anodin. L'antenne au même endroit, voilà, je pense que la batterie est la même de toute façon, donc normalement la batterie est la même. Voilà. Donc le 1701 qui est très très bon appareil, celui-là, donc le RT84, voilà, qui est vraiment très très bien aussi. Hein. Alors qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Donc il y a ça qui est abîmé, bon, c'est neuf, hein. Bon, à moins de 60 €. Aucune antenne qui est fournie avec. Donc la même antenne. Évidemment, c'est la même. Voilà. Donc tout est pareil. De toute façon, il doit avoir 3 puissances aussi. C'est blanc, bonnet et bonnet blanc. Qui est la même en fait finalement. Ouais, 3 puissances évidemment. Je vous montre aussi. Hein. Donc L, moyenne et H. Voilà, les grandes. Bien sûr, c'est fabriqué dans la même usine. Kit oreillette. Le socle pour charger. Donc, bien sûr, la Dragon. Câble de programmation, c'est pour ça qu'il était un peu plus cher, 58 €. C'était le Black Friday, là, le vendredi noir. Et bien sûr, le clip ceinture, qui est certainement le même. Évidemment, c'est le même que sur le 1701. Alors, je rappelle quand même que cet appareil, c'est du DMR, c'est du biband. Ça, l'avantage que ça a, c'est que le prix, on peut le toucher à moins de 60 €. Donc comme je vous l'ai dit, je vous l'ai montré. Maintenant, quel est l'intérêt d'acheter ça? Bah, vous pouvez prendre un RT3S éventuellement ou un UV380. C'est la même programmation, ainsi que le 2017, sauf qu'il est moins sûr, il n'est pas étanche. Si vous ne voulez pas du matériel étanche, vous prenez ça. Voilà, je vais vous montrer. Donc vous prenez ça. 136, 174, 400, 480. Voilà, moi ça m'inquiète pas, finalement j'ai pris un cordon de programmation, c'est un de plus, pourquoi pas, malgré que je l'ai déjà. Donc je vais pas tester la puissance, simplement simplement un petit unboxing, ça sert à rien de vous montrer la puissance, de tester l'antenne et autres, de toute façon on s'en fout, ce qui prime finalement, c'est que l'appareil a l'air très bien, tout est pareil, les boutons c'est pareil. Voilà, donc c'était un petit unboxing pour vous montrer, vous avez le choix. Et pour moins de 60 €, on a du DMR. N'oubliez pas quand même que le DMR est très répandu, en tout cas en agglomération. Peut-être pas le cas de la campagne et vous avez DMR public. N'oubliez pas une fréquence et on fait des contacts dessus. Régulièrement. 73, à très bientôt. N'oubliez pas.